L'abbaye de Lépau prend des airs de discothèque cette semaine. Le Sartois Lucas Grandin est de retour sur ses terres pour nous présenter Symphonie pour 25 platines, ou peut-être même 30 d'ailleurs. C'est une installation qui a été pensée ici pour l'abbaye de Lépau et plus particulièrement pour ici cette salle. Et je vais essayer de réutiliser donc toute cette acoustique en lançant des sons avec des cônes. Mais les sons ne vont pas partir de chants grégoriens, de vrais chanteurs, mais en fait vont partir de platine disque, c'est-à-dire de tourne-disque, comme on voit un petit peu partout ici. Aidé par des étudiantes des Beaux-Arts, il met en scène ses tourne-disques qu'il fait sonner à sa manière, grâce à des élastiques, des bouts de scotch ou encore des boîtes de conserve. Par exemple, là, je suis en train de caler celle-là. Alors, je ne sais pas si ce sample-là, je vais le garder. Pour l'instant, j'ai trouvé celui-ci. Et en fait, les gens... Donc voilà, il va y avoir une trentaine d'interrupteurs comme ça, qui vont être disposés tout autour, un petit peu comme une platine de DJ un petit peu géante, où tout le monde va pouvoir un petit peu mixer ses sons, à partir de 30 sources sonores qui seront en fait des petits morceaux de sample, c'est-à-dire un sillon sur chaque disque de chaque groupe de teriyaki qui est passé avant. Des disques que Lucas n'a reçus que lundi, il crée donc au fur et à mesure, mais tout sera prêt en fin de semaine, puisque cette année, les siestes électroniques s'étendent tout le week-end, avec des ateliers destinés aux enfants, samedi. Alors, tendez l'oreille et à vos transats.